Monsieur Slimane Melouka, bonjour. Bonjour Soïda. Alors, près de 3 millions de retraités et des pensionnés de réversion au niveau de la caisse, la CNR. La modernisation du système de retraite qui est engagée depuis plus de 10 ans aujourd'hui, cette modernisation a-t-elle apporté les ajustements nécessaires pour une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers ? Merci. Nous gérons à ce jour approximativement 2 700 000 bénéficiaires de pensions, d'allocations de retraite et de pensions de réversion et d'allocations de réversion. Donc, je corrige le chiffre le nombre que vous avez avancé, qui est en fait de 2 700 000 bénéficiaires de ces avantages. J'ai arrondi le chiffre. Oui, donc oui, mais 300 000, c'est très important pour nous. C'est un impact financier très important. Donc, il y a en fait 1 700 000 retraités au sens propre du terme qui bénéficient de pensions et d'allocations. Et le 1 million supplémentaire, ce sont les pensions de réversion et les allocations de réversion, c'est-à-dire c'est les bénéficiaires post-décès de ce champ d'avantages. Alors, vous parlez de coûts et d'incidences financières. Est-ce qu'on pourrait avoir des estimations par rapport à ce qui est versé annuellement à tous ces pensionnés de la caisse ? Nous versons mensuellement un montant qui dépasse les 70 milliards de dinars. Et vous avez parlé de modernisation, permettez-moi de revenir sur la question justement. Vous avez bien précisé qu'il s'agissait d'une modernisation qui est en vigueur depuis un peu plus de 10 ans maintenant. En chantier, oui. Cette modernisation qui touche plusieurs aspects, celui de l'informatique, celui de l'accueil, celui des structures de proximité, puisque nous avons agi sur plusieurs axes. Le premier axe, bien sûr, est celui de la technologie, celui de l'informatique que nous avons mis à profit justement pour pouvoir apporter les facilitations nécessaires pour les citoyens. Donc l'informatique qui est en perpétuel développement à ce jour et qui continue, l'avantage a été octroyé à ces retraités de pouvoir bénéficier de la carte Shifa qui leur permet aujourd'hui de pouvoir bénéficier gratuitement de leurs médicaments et de leurs soins sans avoir avancé les frais, sachant que c'est une frange de la population qui est très fragile. Cette informatisation aussi qui est en train de faire dans la dématérialisation, donc d'éviter la bureaucratie et faciliter la vie aux citoyens. D'ailleurs, pour votre gouverne, à partir du 1er novembre, sur instruction de M. le Premier ministre, nous n'allons plus demander d'extrait de naissance, d'extrait de décès et d'acte de mariage à nos concitoyens. Ces documents, nous allons les demander directement par l'UI du réseau informatique, directement aux structures concernées. Donc c'est pour vous dire que nous allons... Aux APC, vous allez être connectés carrément aux collectivités locales. Exactement, collectivités locales. Ceci d'une part. D'autre part, le citoyen s'est beaucoup plaint, et le retraité particulièrement s'est beaucoup plaint ces derniers temps, d'avoir des difficultés au niveau des CCP, parce que les services des postes et téléconnexions ont été surchargés lors du virement de ces pensions. Donc nous sommes passés à un cap où maintenant nous avons ouvert le champ aux citoyens de pouvoir passer par le canal bancaire. Donc aujourd'hui, le retraité a la possibilité de nous ramener n'importe quel numéro de compte CCP ou de compte bancaire pour pouvoir bénéficier de sa pension et donc avoir beaucoup plus de facilité. Je parlais de la modernisation encore une fois, je continue parce qu'il y a beaucoup à dire sur cet aspect. On pourrait y revenir dans un petit moment parce que moi je voudrais vous reprendre sur la question de la finance. Vous avez parlé de 70 milliards de dinars qui sont versés mensuellement aux retraités. Est-ce que par exemple le contexte actuel financier que traverse l'Algérie pourrait à moyen terme affecter les pensions de retraite ? Pour le moment, nous veillons justement à la pérennité du système. Justement, quelles mesures prendre pour assurer la pérennité du système de retraite ? Cette veille à la pérennité du système existe depuis plusieurs années. Elle n'est pas d'actualité. Cependant, compte tenu du fait que les dépenses vont crescendo, donc les cotisations vont crescendo, et nous veillons quotidiennement justement à veiller. Nous veillons quotidiennement, excusez-moi, à ce que le citoyen ou le retraité puisse bénéficier de sa pension. Et sur ce plan, je vous rassure, puisque la pérennité du système actuellement est je dirais, sauvegardée, et toutes les mesures sont prises et seront prises pour veiller justement à ce que les retraités puissent bénéficier. Il faudrait que vous sachiez que les acquis vis-à-vis de ces retraités seront maintenus. Et je tiens à rassurer en fait les auditeurs sur le principe que les acquis de ces personnes ne seront jamais remis en cause.
Alors justement, quand vous parlez de pérennité du système de retraite, quelles mesures prendre aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait recruter plus? Il faut qu'il y ait plus de cotisations? Pas forcément. Disons qu'il faudrait maintenir un certain équilibre entre les cotisations. Et il faudrait que vous sachiez que la caisse de retraite vit principalement des cotisations de sécurité sociale. Et donc il y a un certain équilibre à maintenir entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants. Pour le moment, le nombre de cotisants que nous avons comparativement à certains pays développés ou qui ont des difficultés à pouvoir répondre aux besoins de la population. Donc nous sommes, je dirais, dans un espace où il y a quand même une assurance donnée. Donc, mais aujourd'hui, il est question justement de réfléchir aux solutions qui pourraient éventuellement assurer la pérennité à long terme. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs sur les réflexions qui sont faites actuellement? Je ne peux m'avancer sur cet aspect parce que les réflexions se font, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Disons que nous prévoyons de mettre en place des dispositifs d'assistance supplémentaire sur le plan financier, notamment par des taxes, telles que la taxe sur le tabac qui est actuellement en vigueur, telles que la taxe sur l'environnement, puisque l'environnement la pollution joue un rôle très important sur les dépenses en matière de sécurité sociale. Et il y a eu une mesure qui a été prise récemment parmi justement les propositions ou les projets qui consistent à maintenir la pérennité du système, c'est celui du 1% qui a été récemment décrété, donc le décret a été publié au mois de septembre, puisqu'il y a eu 1% de la cotisation. Il faudrait que vous sachiez que sur les 34,5% de cotisation en matière de sécurité sociale, 17,75%, c'est-à-dire la moitié pratiquement de la cotisation, est destinée à la caisse de retraite. Donc depuis la promulgation de ce décret au mois de septembre, nous sommes passés à 18,75%, c'est-à-dire qu'il y a eu un ajout d'1% sur la quote-part de la CNR, ce qui est un apport supplémentaire, bien sûr, pour répondre aux besoins. Mais certains parlent d'un risque de déséquilibre financier de la CNR. Est-ce possible aujourd'hui, puisque nous avons une population qui est en voie de vieillissement, contrairement à la tendance qu'on a connue ces 10 dernières années? Oui, mais vous savez aussi que de l'autre côté, le marché de l'emploi est en pleine expansion, et donc il y a un apport supplémentaire. C'est d'ailleurs pour ça que la loi de finances complémentaires a été récemment mise en application pour pouvoir justement récupérer toutes les cotisations et pouvoir justement répondre aux besoins. Donc je pense que les mesures qui sont prises au fur et à mesure font en sorte que le système soit pérenne. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui, allons-nous vers le maintien ou la révision de l'âge actuel du départ à la retraite, monsieur Bellucca? Je ne peux vous répondre à la question. Nous n'avons ni été instruits dans ce sens. Donc, pour le moment, il n'y a rien du tout dans ce sens. Absolument rien. Je vous rassure. L'âge de retraite demeure 60 ans. À l'âge de retraite légale demeure 60 ans. Et les avantages qui sont octroyés aujourd'hui aux citoyens en matière de retraite proportionnelle, de retraite anticipée, de retraite sans transition d'âge, sont maintenus et sont toujours de vigueur et d'actualité. Pourtant, la retraite anticipée, une tripartite avait été consacrée à cet aspect-là, elle avait été discutée, elle devait graduellement disparaître parce qu'elle coûtait énormément à la Caisse nationale de retraite. La retraite anticipée en elle-même ne coûte pas énormément. Non, son estimation n'est pas du tout très importante par rapport au volume de dépenses engagées mensuellement et annuellement. Je vous rassure sur ce plan. Alors quel est le volume qui dépense le plus? C'est le volume des retraités classiques qui viennent en apport quotidien et en apport annuel. Et donc la masse des retraités est devenue très importante. Je vous ai cité le chiffre. Je devrais peut-être vous annoncer aussi que nous avons 7 millions d'actifs qui cotisent régulièrement et qui répondent justement aux besoins de ces 2 700 000 bénéficiaires des avantages de retraite. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui, Monsieur Mellucca, les revalorisations annuelles des pensions de retraite qui avoisinent par moment les 5, à un moment donné c'était 4%, 5%, puis ça atteint exceptionnellement 12 et 10%. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles peuvent rattraper facilement l'inflation et le pouvoir d'achat qui ne cesse de se dégrader? Ben, écoutez, pour votre information, l'assiette de cotisation, l'assiette de calcul pour la pension de retraite en Algérie est sur les 5 dernières années, ou sur les 5 meilleures années. Contrairement
à d'autres pays où l'assiette des cotisations est de 10 années, voire 20 années, voire toute la carrière. Donc je pense que l'assiette pour le moment qui est prise pour le calcul de la pension est déjà très avantageuse. Puisque nous parlons de 5 dernières années, généralement c'est les 5 meilleurs salaires, c'est les 5 dernières années, c'est les portes sur les meilleurs salaires. Sinon, je vous dis encore une fois que le système est tellement avantageux qu'on peut calculer l'assiette de la pension de retraite sur les 5 meilleures années. Contrairement à ce que je viens de vous dire, donc sur d'autres pays où ça va sur 10 ans et 20 ans, et vous imaginez si demain on calcule votre pension de retraite sur toute votre carrière professionnelle, ça vous ferait une... Donc les revalorisations apportent quand même un supplément par rapport déjà au préavantage qui est donné par rapport à l'assiette de cotisation. Mais aujourd'hui, avec ces revalorisations, nous n'avons pas de pension de retraite au-dessous du SNMG ? Du tout. Nous avons des retraites effectivement qui sont au minimum au SNMG. D'ailleurs, il y a la contribution de l'État dans ce sens par rapport au complément différentiel. Donc tous ceux qui bénéficient de pensions de retraite qui sont inférieures au SNMG sont donc réajustés au niveau du SNMG par rapport à des appoints qui sont attribués à la caisse de retraite. Alors aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour traquer les employeurs qui ne déclarent pas leurs employés. Est-ce que aussi ceci affecte la Caisse nationale de retraite, notamment pour ce qui concerne le secteur privé? Par moment, les gens travaillent dans la clandestinité, dans l'informel, au noir. Oui, effectivement. Les mesures sont prises et elles ont été discutées récemment. Oui, c'est par rapport à la loi de finances complémentaire dont je viens de vous parler, mais je ne parlerai pas de traque. Il s'agit beaucoup plus de sensibiliser aussi bien les employeurs pour pouvoir se mettre à jour et en conformité avec la recommandation, et donc de s'acquitter de leurs cotisations, et d'autre part aussi de sensibiliser les employés qui méconnaissent leurs droits et qui sont souvent... Il y a des mesures répressives qui risquent d'être engagées à l'encontre des employeurs qui ne déclarent pas leurs employés. Oui, mais ce sont, disons, des mesures différées. Dans les cas où il y a de la réticence, mais du fait qu'il y a la facilitation qui est apportée à ces employeurs. À ces employeurs, il est demandé de s'acquitter principalement de leur cotisation principale avec des échéanciers, avec des suppressions des pénalités, majorations de retard à l'issue. Donc vous imaginez l'avantage qui est accordé à cet employeur. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas répondre à cette demande beaucoup plus qu'une traque, donc... C'est qu'il va rater le coche. Alors j'ai une question d'un auditeur qui nous a contacté sur notre page Facebook et qui vous dit: Monsieur Melouka, un retraité qui travaille 15 ans dans le secteur public et 20 ans dans le secteur privé, comment fera-t-il pour réunir les deux cotisations et comment sa retraite sera calculée? Sur la base de quels salaires? Celui qui percevait dans le privé ou dans le public? Les deux, cumulés. Les deux activités seront cumulées, donc il va bénéficier de la totalité de sa cotisation. Il devra se présenter donc vers l'un des organismes et puis il va pouvoir bénéficier de la totalité de ses cotisations. Alors, un autre auditeur qui vous dit: moi, je suis âgé, j'ai pratiquement 70 ans, je cotise depuis plus de 10 ans aujourd'hui, je perçois ma retraite de façon régulière, mais chaque fois, je suis soumis à des contrôles médicaux. Est-ce normal? Vous parlez de contrôles médicaux au niveau de la CNAS? De la CNAS pour la CNR, pour avoir le document de vie, je crois que c'est ce qu'il a dit. Je pense que vous avez peut-être que la question a été mal posée, mais pour votre gouvernement, la Caisse nationale de retraite n'effectue pas du tout de visite médicale. Non, des contrôles pour assurer qu'il est vivant et que la retraite soit versée de façon régulière. Ce ne sont pas en fait des contrôles, nous exigeons des documents pour confirmer que cette personne est toujours vivante et donc pour qu'elle puisse bénéficier. C'est l'une d'ailleurs des mesures qui font qu'on doit maintenir la pérennité du système. S'il y a des décès et que nous ne sommes pas informés de ces décès, donc nous risquons de verser à tort des pensions et ça s'est déjà vu. Donc il y a des pensions qui ont été versées à tort. Et donc pour éviter d'avoir ces trop-perçus, nous assurons que ces personnes sont toujours effectivement vivantes. Mais tel que je vous l'ai précisé tout à l'heure, avec la mise en place de ce nouveau dispositif à partir du 1er novembre... Vous avez vu ma note, j'ai repris le 1er novembre. Nous n'allons plus... Non, je ne l'ai pas vu. Je connais trop bien la question. Donc, je vous disais que nous n'allons plus exiger l'extrait de décès. Et donc, automatiquement, l'information va nous arriver de manière automatisée par l'état civil.
Donc nous n'allons plus exiger ce document de la part du citoyen. Alors, autre question, aujourd'hui, au niveau de l'accueil, au niveau des caisses nationales de retraite, beaucoup de lenteurs, beaucoup de difficultés pour recevoir les personnes qui, en définitive, sont âgées. Comment améliorer les prestations et les rendre plus efficientes et plus rapides au profit des cotisants de la caisse? C'est un sujet que je voulais aborder tout à l'heure, mais vous m'avez dit qu'on reviendra sur la modernisation. Ah ben on y est revenu. Je pense que le moment est venu d'y revenir. Bah, en fait, les structures d'accueil, on a parlé de cette modernisation. Il y a plusieurs années, nous avons mis en place tout d'abord ce qu'on appelle les centres d'accueil et d'orientation au niveau des dayats et au niveau des points où il y a une affluence massive de retraités pour nous rapprocher du citoyen et d'une. Et de deux, nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle les cellules d'accueil, qui, elles, justement, sont chargées de recevoir le retraité pour prendre en charge ses doléances, pour prendre en charge les aspects, en fait, qui ne sont pas en rapport direct avec la liquidation des dossiers, pour pouvoir décharger un petit peu les activités du guichet. Ces cellules d'accueil, d'écoute et de proximité, donc, sont chargées de prendre en charge tous les aspects, parce que les retraités, en fait, s'inquiètent énormément dès qu'il y a des petits changements, ils s'inquiètent, donc là, on est chargé d'être à leur écoute. Il y a aussi ce qu'on appelle l'aide à domicile au niveau de la caisse de retraite. Donc nous avons des assistantes sociales au niveau des agences qui sont chargées de se rapprocher des citoyens qui dépassent les 70 ans d'âge pour pouvoir leur apporter l'assistance nécessaire sur toutes les prestations que peut octroyer le système, notamment tout ce qui est appareillage, tout ce qui est carte Chifa, tout ce qui est donc nous exploitons le fichier et si nous avons donc des retraités qui sont garbataires, nous nous rapprochons d'eux pour pouvoir leur apporter ce genre d'assistance. Alors, pour le mandat électronique, va-t-il disparaître aujourd'hui? Parce que nous avons vu qu'au niveau des postes, parfois, les postes sont assaillis par les retraités qui viennent retirer leur mandat électronique. Le mandat électronique a été complètement supprimé. Il persisterait peut-être dans quelques régions éloignées, parce qu'il y a des régions enclavées, donc, et ça pose problème pour le citoyen d'aller vers la poste, mais ce sont des cas rares. Qui persiste jusqu'à ce jour. Il persiste même dans la capitale, j'ai vu quelques-uns la dernière fois au niveau d'une poste. Et souvent, ils ne savent pas rédiger le mandat et malheureusement, souvent, ils se font arnaquer ou voler. Et bien justement, c'est pour ça, du fait que le retraité avait peut-être des difficultés avec la poste, c'est pour ça que nous avons diversifié, nous sommes passés par le biais du canal bancaire. C'est pour justement donner un plus pour le citoyen, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, toutes les mesures qui sont mises en place feront en sorte que le mandat électronique soit supprimé. Alors, pour les cotisants qui ont travaillé à l'étranger, pour leur retraite et leur pension, elle arrive régulièrement, pas de problème également pour cela? Du tout. Il faudrait que vous sachiez que nous avons des conventions avec certains pays, donc les périodes d'activité dans un pays ou dans l'autre sont comptabilisées bien sûr dans la carrière d'une part, et d'autre part, donc, quand ils changent de pays, les pensions sont toujours versées aux ayants droit, enfin aux bénéficiaires, peut-être avec quelques lenteurs probablement, compte tenu du fait que ce sont des événements qui sont faits sur des pays étrangers, mais ça se fait de manière régulière. Alors sur l'équilibre financier de la CNR, est-ce que vous avez des projections sur l'avenir, par exemple, pour les 3 prochaines années aujourd'hui, pour maintenir cet équilibre aujourd'hui? Ben, cette question revient sans arrêt. Tout le monde, s'inquiète. Oui, on voudrait avoir 60 ans et percevoir notre retraite. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je tiens à vous rassurer que pour le moment, le système est sauvegardé. Et périn. Et si on s'inspire de ce qui se passe un petit peu sous d'autres cieux, vous conviendrez avec moi que le système débat. Est encore beaucoup plus difficile et la crise que traversent certains pays est beaucoup plus critique que chez nous. Et chez nous, pas dans ce contexte. Je vous dis franchement que nous sommes très à l'aise par rapport à la prise en charge des pensions de retraite pour les années à venir. Pour les dépenses de la CNR, pour les projections à venir, vous avez quelques indicateurs, vous avez donné le chiffre de plus de 70 milliards qui sont versés mensuellement. Est-ce que vous avez d'autres projections par rapport à la dépense annuelle, par rapport aux besoins annuels? C'est une moyenne qui reste de vigueur. Et annuellement aussi, vous avez un indicateur chiffre? Oui, c'est pratiquement c'est le coût mensuel. Enfin, je vous ai parlé de la dépense mensuelle, mais qui est répercutée sur le plan annuel. Nous n'avons pratiquement pas de changement, si ce n'est par rapport aux valorisations qui se font régulièrement chaque mois de mai. Cette fois-ci, le pourcentage a été de 5%, donc ça a été d'un apport certain pour répondre aux besoins du retraité.
Monsieur Slimane Melouka, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi. À bientôt.